Voilà, je vais vous présenter nos autres animaux. Mon collègue qui est juste en face de moi, son chien s'appelle Maddy, un berger malinois de 12 ans. À sa droite, Maddox, berger malinois de 5 ans. Et mon chien, Tétis, berger malinois de 2 ans et demi. Ah, comme
Maman fasse une belle photo. Vous allez voir que dès qu'il voit mon collègue dans cette sup, le chien est plutôt l'attitude. C'est un petit peu son jouet pour lequel il va se battre pour aller le chercher. J'ai vu avec quelques fois sur internet des trucs, il y avait des paroles et il y avait comme s'il y avait un fusil. Il y avait un sauté dans la vitre. Vous pouvez dire le faire, pas la même chose, si vous venez de se mettre, évidemment.
Naturellement, un animal ne va pas vers le feu, mais a plutôt tendance à le fuir. Donc, nous, de par l'emprise que nous consacrons à nos chiens, nous leur apprenons justement à dépasser cette primitive pour pouvoir satisfaire à leur devoir d'intervention. Alors, on dit toujours tel mec, tel chien, mais c'est bien un comédien, je vous laisse tirer la conclusion du mec, c'est pourri. Allez. Hein? Alors, là en fait, il l'a mis en garde. Vous pouvez voir ici le travail du chien qui est un travail d'escorte. Donc là il est en train de garder, il pousse, il ne mord pas, il évite un peu la viande. Et, voilà. Et par contre si j'essaie de me barrer, mais là il est bien clair qu'il va évidemment réagir. Alors ce type de travail, mais c'est intéressant au moment où il commande les pieds à sa Mobile. Allez, viens! Ah, le salaud! Viens! Ah! Viens! Ah! Ah! Voilà, petit termine. Notre petit termine. J'espère que ça vous a plu. Nous vous remercions de votre attention et de votre participation.